Bonjour et bienvenue sur la chaîne Savoir tout sur tout, loisirs d'aventure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans ce podcast les 6 meilleurs endroits où faire de la pêche à l'aimant. Nous allons aborder les sujets suivants. Pêcher à proximité des anciennes industries désaffectées. Pêcher dans les vieux puits. Pêcher dans les rivières ou canaux, aux abords des villes. Pêcher du haut d'un pont. Pêcher le long des quais. Pêcher au bord des plages. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter la vidéo. Cela fait un moment que vous entendez parler de la pêche à l'aimant par vos amis et vous avez finalement décidé de tenter l'aventure. Cependant, vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous pouvez vous rendre, ni des lieux idéaux pour pratiquer cette activité. Jetons un coup d'œil aux 6 meilleurs endroits pour la pêche à l'aimant. Pour obtenir de meilleurs résultats, testez chacune de ces zones. Pêcher à proximité des anciennes industries désaffectées. Les pêcheurs d'aimant ont souvent accès à un grand nombre de choses proches des sites industriels. Par exemple, près d'une usine de charbon, vous pouvez tomber sur d'anciennes lignes électriques que vous pouvez décaper pour en extraire le métal ou vendre à un ferrailleur. Vous pouvez également découvrir d'autres objets intéressants qui sont peut-être tombés dans la rivière il y a des décennies. Par exemple, vous pourriez tomber sur une plaque d'identification d'un bateau de transport maritime qui était actif dans la région il y a plusieurs décennies. Ces plaques anciennes peuvent être utilisées dans des musées ou vendues à des collectionneurs pour un prix raisonnable. En outre, vous pouvez tomber sur des instruments industriels obsolètes qui ne sont plus utilisés dans la plupart des établissements, mais qui peuvent conserver une valeur historique, propre à votre région. Vous pouvez tomber sur des perceuses pneumatiques anciennes qui ne sont plus utilisées, mais qui étaient employées sur le site auparavant. Ces perceuses peuvent avoir une importance historique dans de nombreux musées ou être prisées par un grand nombre de collectionneurs d'outils dans votre région. Pêcher dans les vieux puits. Pour les pêcheurs à l'aimant, les anciens puits sont généralement une mine d'or de choix. Les fermiers et leurs enfants, par exemple, peuvent l'avoir utilisé comme un puits à souhait et y avoir jeté de grandes quantités de pièces de monnaie au fil des ans. Cette abondance de pièces peut permettre de repartir facilement avec une somme d'argent substantielle, surtout si vous êtes persévérant et continuez à explorer le fond du puits. D'autre part, les puits peuvent être une source étonnamment riche d'autres objets, notamment s'ils ont été utilisés pendant des centaines d'années. Un agriculteur peut avoir laissé tomber des équipements dans un puits il y a des années et ne pas avoir réussi à les récupérer. De nombreuses personnes considèrent ces instruments comme des objets de collection, car ils sont assez anciens. Trouver le bon vendeur peut permettre de réaliser un bénéfice appréciable, en particulier si l'objet est en excellent état et si vous arrivez à les restaurer. L'absence de dégradation d'un outil au fond d'un puits peut sembler invraisemblable, mais si le puits s'est asséché et a été recouvert de planches, il se peut que des objets au fond n'aient pas subi de corrosion ou de dommages dus à l'eau. Mais, avant d'utiliser votre aimant pour sonder un puits, vous devez vous renseigner auprès du propriétaire du puits. Oui, certaines terres peuvent être abandonnées, mais quelqu'un en est propriétaire et peut s'opposer à ce que vous alliez pêcher dans leur puits. Prenez donc toujours contact auprès du propriétaire et demandez-lui si vous pouvez prospecter dans son puits. Dans l'éventualité où la propriété a été abandonnée pendant une longue période, il y a de fortes chances qu'elle ne s'y oppose pas. Par contre, si vous trouvez quelque chose, il est coutumier de partager le butin 50-50. Pêcher dans les rivières ou canaux, aux abords des villes. Les rivières ou les canaux des grandes villes peuvent apporter une touche de beauté naturelle qui manque parfois dans les secteurs commerciaux et industriels. Cependant, comme la plupart de ces rivières sont extrêmement contaminées par une énorme quantité de déchets, elles ne sont pas toujours adaptées à la baignade ou à la pêche. Néanmoins, les pêcheurs amateurs apprécient souvent ces rivières, car un très grand nombre de personnes s'y promènent chaque jour et jettent à tout moment divers objets dans l'eau. Quelqu'un peut laisser tomber par inadvertance son téléphone portable dans l'eau en se promenant sur un pont de rivière. D'autres peuvent jeter des objets tels que des couteaux ou même des armes, voire des engins explosifs anciens dans un cours d'eau.
Bien que vous ne puissiez pas conserver ces objets et que vous deviez les remettre aux autorités, les retrouver peut aider à résoudre une enquête. Il s'agit d'un avantage que peu de pêcheurs à l'aimant ont l'occasion d'inclure dans leur CV de pêche et c'est toujours une action civique gratifiante. De plus, il peut y avoir une grande quantité de déchets métalliques rouillés, différents tuyaux de canalisation abandonnés, et même de vieux vélos et d'autres objets jetés dans la rivière. Bien qu'une rivière ou un canal détériore progressivement ces objets, leur vente peut être avantageuse dans certains cas. Par exemple, vous pouvez apporter un vélo en métal à un centre de recyclage et être payé pour le cadre métallique. Même si la valeur est faible, vous pouvez réaliser un bon bénéfice si vous êtes diligent et régulier dans vos recherches et vos trouvailles. Pêcher du haut d'un pont. Lorsqu'ils recherchent des zones propices pour pêcher, les pêcheurs à l'aimant recherchent fréquemment des ponts qui surplombent un plan d'eau. Les ponts sont un excellent choix pour de nombreuses raisons, notamment car vous avez accès à toute la largeur du cours d'eau ou du canal. Des centaines de personnes traversent un pont chaque jour, ce qui augmente leurs chances de laisser tomber quelque chose. De nombreux sans-abri dorment sous les ponts parce qu'ils constituent un refuge sûr et couvert contre les intempéries. Ces personnes peuvent laisser tomber des objets dans l'eau, que vous pourrez ensuite retirer avec votre aimant. C'est à vous de décider si vous voulez voler les objets qui peuvent appartenir à une personne sans domicile fixe, car c'est peut-être le seul objet que cette personne possède au monde. D'autres types de ponts, par contre, comme ceux situés à proximité des zones industrielles, sont fréquemment remplis d'objets métalliques en tout genre. Pêcher le long des quais. Un grand nombre d'objets se retrouvent continuellement dans l'eau où naviguent des bateaux ou péniches, dans les docks et les ports. En écaillant un poisson sur son bateau, un pêcheur peut laisser tomber par inadvertance un couteau dans l'eau. Ce couteau restera au fond du port jusqu'à ce que vous le localisiez et le récupériez. D'autres outils, tels que des clés et des tournevis, peuvent facilement se retrouver dans l'eau le long de ces quais. Si vous êtes assez malin, vous pourriez même trouver des biens d'une valeur incroyable dans ces eaux. De grandes caisses en métal ou même des coffres-forts contenant de l'argent peuvent être tombés de certains navires. Si les caisses sont correctement scellées, vous pouvez retirer l'argent sans qu'il soit détrempé. Cependant, ne vous attendez pas à voir ce type de découverte très fréquemment, car les chances qu'un coffre tombe à l'eau et se perde sont assez minces sur un quai bondé. D'autre part, les jetées peuvent être situées dans des lieux touristiques importants où les gens se promènent et peuvent perdre de l'argent, des portefeuilles, des montres et d'autres objets de valeur. Si vous découvrez l'un de ces biens, il peut avoir une valeur particulière pour certaines personnes. Pêcher au bord des plages. Enfin, il est également possible de superbes découvertes en jetant votre aimant dans les zones de baignade, dans une station balnéaire par exemple. En effet, là où les gens se baignant peut devenir une zone de prospection idéale. La baignade et la bronzette ne font pas bon ménage pour ce qui est de la perte de bijoux. En effet, l'eau froide diminue l'afflux sanguin et fait diminuer de quelques millimètres de diamètre des doigts. Le risque de perdre des bagues, plus lâches aux doigts, ou encore perdre des colliers en argent ou en or suite à des batailles d'eau est élevé. Aussi, dans ce genre de lien, il est malin de câbler votre aimant avec un petit grappin pour accrocher des chaînes, gourmettes et colliers présents à la surface du sable, dans ces zones de baignade.